à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, justement, on va reparler d'un sujet qu'on avait fait l'année dernière. Et oui, parce qu'on avait, ça fait déjà quasiment un an. Du fameux plan EP Ensisheim. Vous savez, rappelez-vous, le fameux complot des pots de fleurs. Bon, oui, donc du coup, vous savez que pendant les fêtes de Pâques, hein, je suis allé là-haut, justement, à Ensisheim pour découvrir un petit peu la commune. Franchement, pas mal, j'apprécie beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je vois autant de pots de fleurs dans un seul endroit réuni, avec les fameux pots de fleurs, les gros lanternes SHP 400 et tout ça là, avec justement les lanternes vraiment tout fin, les lanternes S qu'on a vu, les fameuses les Philips Colomb, on a vu beaucoup. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait drôle parce qu'en fait, j'ai découvert en fait une commune que je connaissais pas. Donc, par le plan, je l'ai fait. Donc, j'ai découvert la commune, on va dire, sous Street View. Hein. Mais c'est quand même pas mal parce qu'on se dit, putain, c'est impressionnant comment on arrive sur place. On pense pas l'univers pareil. En fait, quand on arrive dans une commune qu'on connaît pas parce qu'on n'a jamais foutu les pieds là-haut, mais qu'on a fait tout l'EP, on dit, oh, c'est comme ça. On va dire, on imagine un peu le truc. Mais en fait, quand on est sur place, on se dit, ah ouais, en effet, c'est différent, en fait, de ce qu'on pensait à l'époque. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait plus de relief et tout ça, mais en fait, c'est du plat. Avec du plat, un petit peu de descente à droite, à gauche, moi, c'est vraiment pas violent. Mais c'est impressionnant, donc du coup, voilà, je vais pas revenir sur les vacances que j'ai passées là-bas. Mais franchement, c'était appréciant, parce que justement, j'ai découvert aussi Alexis, donc un abonné. Il m'a fait découvrir un petit peu la commune, on s'est baladé, tout ça, j'ai vu aussi son réseau EP et tout ça. Mais franchement, là-dessus, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu en fait les lanternes que j'ai fait en plan. Donc du coup, ça dit, oh putain, ça, je me rappelle de ça, c'est une vraie merde à trouver et tout, c'est vraiment dingue. Et donc du coup, j'ai pourquoi pas retourné donc, plus tard. Avec une nouvelle façon, parce que vous vous rappelez, c'était que des points bleus. Donc du coup, j'ai trouvé là, j'ai modifié la façon de procéder. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc du coup, voilà, c'est par catégorie, on est par marque. Donc du coup, là, on a vraiment donc le plan donc en question avec toutes les lumières qu'il y a dedans. Donc là, on découvre en fait tous les... Voilà, les points, tout ça, et donc par catégorie. Donc là, par exemple, le premier, donc le complot des pots de fleurs, bah oui, c'est le luminaire Eva de Vulcanlux. Donc on voit tout ce qui est en jaune, c'est du Vulcanlux Eva. Donc on peut le voir, c'est quand même long. Alors, par contre, je vérifie que ça fourbe pas. Voilà, donc on le voit, tous les points jaunes, c'est du Vulcanlux Eva. Donc on peut faire ça, blaf, voilà. Donc. Il y en a 441 pots de fleurs, waouh, c'est impressionnant, c'est, on va dire, 2 voire 3 fois plus qu'à Conchy des pots lumineux avec des voix, c'est impressionnant. Après, il y a les Louis, les Vulcanlux Louis, bon, alors les Louis 1 et les Louis 2, bon, on s'en fout, c'est quasiment la même chose. On va dire, il y a à peu près 300 pots lumineux en Vulcanlux Louis. Après, on a 101 Iridium 10, c'est impressionnant, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais il y en a autant, il y en a 101. Après, des lumières Vulcanlux, vous savez, les fameux points qu'on connaissait pas, c'est des lumières que je connais pas trop. Donc ça, j'ai pas plus de détails, j'y retournerai en Alsace quand il fera vraiment bien beau, bien chaud. Hein, ça sera peut-être mieux. Vulcanlux, bon, c'est une comète élevée. Bon, la rue des comètes élevées, une partie est dégagée, hein, l'entrée. Donc là, donc, avec une partie des Vulcanlux qui sont dans le coin qui ont dégagé. Hein, dans ce coin-là, si on veut bien avant. Voilà, donc on a été dans ce coin-là, il y a une petite armoire dans ce coin-là, une petite armoire EP, donc je pense que la personne se reconnaîtra de la petite soirée qu'on a fait dans ce coin-là. Donc la petite journée, plutôt le jour du départ, donc qui s'en rappellera. Donc voilà, donc du coup, franchement, j'ai fait ma petite balade dans ce quartier-là, vraiment, c'est impressionnant, les maisons, c'est comme des corons. Alors là, c'est pas trop étonnant parce que les maisons, ils se ressemblent pas trop. Mais en fait, quand j'ai été dans ce coin-là, on va dire, oui, dans cette phase, facilement dans ce coin-là, on va dire, je vais réécrire ça un peu. Quand j'étais dans ce coin-là, c'est impressionnant. Toutes les maisons se ressemblent. L'architecture des maisons se ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il y a la peinture
et quelques petits décors des maisons qui changent. Sinon, c'est la même architecture. Pour même vous dire qu'ils ont même agrandi une maison avec la même architecture encore en plus. Pour vous dire qu'à mon avis, ces maisons-là sont classées depuis des années. Bah oui, puisqu'en fait, en face, il y a la fameuse truc du borinage. Alors, je ne sais plus ce qu'ils prennent, ce qu'ils prenaient à l'époque dans les mines, ici, je ne m'en rappelle plus trop. Mais je leur demanderai à l'occasion pour ça. Les fameux petits luminaires Vuncklan, là, que j'avais cherché. Je pense que c'est ça. Voilà. Les Vulcan 5408, voilà. Donc, les fameuses Vulcan qui sont là. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais bon, j'ai mis Vulcan 5408, mais c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, on a les fameuses lanternes violettes de je sais plus ce que c'est. Normalement, c'est marqué Vulcan Luxe, c'est pas ça. Les Moritz. Vu le Rani Saint-Germain, c'est pas ça. C'est du violet. Des S Madrid. Ah oui, S Madrid. Oh, nous avons donc là. Bon, après, je vais pas tout remontrer le P des Sinsa, ça sert à rien parce qu'on l'a déjà vu. Mais on peut le voir un petit peu comme ça, plus joli. Donc, du coup, là, là par exemple, là, donc là, on a les peaux de fleurs encore. Un petit peu tout ça. Donc, les fameuses lanternes Louis, là. Oui, je crois que c'est les Vulcan Luxe Louis, c'est ça. Oui. Donc là, du coup, la quantité impressionnante, bah ça c'était une vraie fourberie à faire ça. Donc les pots de fleurs, là, c'est là qu'on se dit, ouais, on aperçoit plus les trucs. Donc d'iridium, des lanternes que je connais pas, des Louis, des Vulcanus, des Louis encore. Le restant, tout ça, c'est des éclatecs avec de la myrrhe qui est là. Nous avons quoi? Des pots de fleurs. Le bleu foncé, c'est des Colombes. Le orange, c'est du S, je sais plus quoi, je m'en rappelle plus, des Sarius. Encore des lanternes, je crois, c'est des, si je m'en rappelle, des Louis. Encore là, c'est de la Cities. Oui, on se raperçoit un petit peu le truc quand même. Bon, par contre, dans le Nord d'Ensisheim, j'ai pas foutu les pieds, c'est un peu dommage. Parce qu'il y avait les fameuses lanternes, justement. Le problème, c'est qu'il avait plu. Il faisait un temps mais archi dégueu. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que j'y retournerai cet été, un week-end, genre un vendredi, samedi, dimanche. Je pense que ça serait pas mal. Donc il faudrait que je voie ça comme on a fait là. On a parti un vendredi après-midi et on a resté samedi et dimanche. Donc je ferai peut-être la même chose. Donc je reverrai ça à l'occasion. Ça serait pas mal. Donc bien sûr, c'est pas trop loin. Bon, ça prend du temps à y aller. Mais finalement, on apprécie beaucoup le paysage. Donc du coup, là, donc après, moi, je vais pas tout refaire non plus. Mais franchement, ça fait plaisir de découvrir une ville, une commune que je connaissais pas. Et donc du coup, là, j'y vais. Pourquoi pas vous faire un petit peu un petit speech de tout ça. Donc j'ai découvert pas mal de choses dans cette commune-là quand j'ai fait le mappage, le mapping. Et franchement, quand on le voit en direct, on le voit sur le terrain. Parce que c'est vrai, quand on est sur Street View, c'est bien. Parce que justement, je vais m'agrandir, ce sera peut-être mieux. Voilà. Comme je disais, en fait, c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, quand on se dit, quand on est sur Street View, c'est bien parce qu'on aperçoit les choses. Mais finalement, avec le recul, on se dit quand même, c'est quand même mieux quand on est sur le terrain. Parce qu'on voit beaucoup plus de choses, plus de détails. Par exemple, là, c'est pareil, il faut que je trouve le moyen de répertorier les armoires EP. C'est compliqué, mais bon, je pense que je trouverai. Donc, ce sera peut-être un truc projet futur. Et donc, là, il y a ça. Et puis, franchement, l'accueil de mon abonné, franchement sympa, impeccable. On a passé un petit une soirée ensemble à marcher dans Conchy. J'allais dire marcher dans Conchy. Voilà. Donc, on a marché dans l'Ensisheim. Donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu certains endroits un petit peu farfelus de l'Ensisheim que je connaissais pas. Parce que voilà, j'ai pas foutu les pieds sur Street View parce que ça n'existait pas, on pouvait pas y accéder. Hein, genre les fameuses Puntilla derrière la mairie, c'est impressionnant. Même moi j'étais sur le cul parce que je n'ai jamais vu des Puntilla de ma vie. Et j'en ai vu, mais c'est immense ces modèles-là, c'est immense, c'est impressionnant. Donc il y a des modèles que j'ai jamais vus, donc les Louis, les Sarius, des modèles comme ça. Bon, on va dire l'intégralité, sauf les comètes, les Cities, tout ça. On va dire quasi l'intégralité, je ne connaissais pas les modèles. Donc du coup, ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses un peu dans ma vie. Des nouvelles lanternes. Bon, malgré qu'il pleuvait, qu'il était dégueulasse le temps, mais j'ai parvenu à découvrir une commune que j'apprécie beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié depuis le début que je l'ai faite. Mais là, franchement,
en plaine d'Alsace, comme ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, donc c'était un petit peu donc le rétrospective un peu du truc. Donc c'est vrai que quand on a les photos, bon, je vous ai montré les photos lors des revues de vacances que j'avais fait il y a pas longtemps. Donc du coup, ça sert à rien que je vous montre les photos, sinon ça va rebâcher un peu les trucs. Mais voilà, donc c'était un petit peu pour vous dire un peu. Oh, bien. Allez, à chaque fois que je fais des vidéos, c'est ça. Donc du coup, voilà, donc c'était un petit peu la rétrospective donc de NCSIM. Donc on reviendra peut-être un jour là-dessus, pourquoi pas, de reparler sur la commune, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. J'y retournerai à l'occasion, parce qu'il y a des lanternes, pas que dans Ensisheim, mais dans les autres communes. Il y a une commune entre Mulhouse et Ensisheim, il y a des lanternes les plus farfelues. J'ai pas eu l'occasion de les prendre en photo, puisqu'ils flottaient, ou il faisait nuit à chaque fois que j'y allais. Donc du coup, il faudrait que j'y aille à l'occasion pour prendre beaucoup de photos, parce que l'Oise... L'Alsace, il y a beaucoup, beaucoup de luminaires que je connais pas. Donc du coup, ça me permettra de découvrir encore une autre région géographique, point de vue lanterne. Parce que franchement, du côté de Montbéliard, Mulhouse, et puis Ensisheim et compagnie dans ce coin-là, il y a beaucoup de trucs que je connais pas. Surtout du Hesse, Vulcan, des trucs comme ça, du Sélux et tout ça. Donc du coup, ça fait plaisir d'avoir des modèles différents. Dans une autre région. Bon, c'est la même région, c'est dans le Grand Est, mais bon. Voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que ça n'a pas été un peu long et rebarbatif, mais bon. J'espère que ça vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah. Mes pots de fleurs, j'adore. C'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, hi, c'est pas faux.